Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Moi, je trouve qu'il faut faire très attention, parce que la liberté, j'ai envie qu'elle soit totale. Mais la liberté s'arrête aussi où commence celle des autres. Et si je pense qu'on peut parler de tout, on va dire dans un instant, est-ce qu'on peut rire de tout? Mais je pense qu'on doit le faire avec responsabilité et dans le respect des autres. Et particulièrement des gens d'une autre culture ou d'une autre religion. Car nous continuerons, professeur. Nous apprendrons l'humour. Nous continuerons, professeur. J'ai fait beaucoup de dessins sur la religion catholique parce que c'est la religion de mes ancêtres, de ma famille, de mon pays. On m'a toujours demandé, mais tiens, vous ne faites pas des dessins sur l'islam, etc. Je dis non, parce que je trouve que c'est une autre culture. Je dois faire très attention, je ne connais pas assez cette culture que pour me permettre de faire de l'humour. J'ai fait des dessins, hein, on va en parler. Mais il y a une chose que je trouve qu'il ne faut pas faire, c'est le tabou absolu pour les musulmans, c'est représenter leur prophète. Nous continuerons, oui, ce combat pour la liberté et pour la raison. Et je n'ai pas envie de blesser la majorité des musulmans qui sont pacifiques, qui sont de braves gens, qui sont des citoyens, des frères, qui nous vivons dans le même pays, en paix, en bonne harmonie. Pourquoi, de quel droit, pour la liberté d'expression, j'irai les blesser, les insulter dans ce qu'ils ont de plus sacré?